Bonjour à tous. Pardon. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rien Civil HD. Donc la dernière fois, on avait réussi à pénétrer dans le labo et on s'était laissé dans le salon laboratoire, je sais pas trop quoi. Et donc dans cette vidéo, on va peut-être finir le jeu ou alors ce sera dans la vidéo suivante. Je ne sais pas. En tout cas, on va continuer notre progression. Donc, je vais rebalancer ça. Tac. Ouais, je prends pas mes disques mou, je viendrai de toute façon. Je ferai le. Sais jamais si j'ai des trucs importants à prendre. Donc, on va aller à droite. Il faut sans doute appuyer sur l'interrupteur à droite. Ok, donc je vais devoir aller là-bas pour remettre du jus. Ah zut, ouais, je crois que c'est les. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est les nouvelles générations. C'est des hunters améliorés, quoi. Ok. Donc. Disque mot. Ok. Ici, il y a un. Non mais attends, ils sont combien? Donc là, il y a un disque au bout. Oh, comment il. Par contre, comment j'ai plus de balles? Mécanisme d'autodestruction du laboratoire, il est mort. Ouais. Oh là là. Je vais retourner dans la première salle parce que je pense que j'ai pas tout fait, mais il faut de l'essence. Ouais, je sais pas si je crois que j'en ai.
Donc là c'est le disque mot. Bon, je vais retourner au fond, il voulait du carburant, ça tombe le truc, ça marche. Pardon. Par contre, c'est tendu, là. Ils sont en train de bouffer toutes mes balles. Donc là, disque mot. Ça fera 2. Le troisième doit être dans la grande salle. Non. Ici, non. Faut du carburant. Attendez, l'ascenseur principal n'est alimenté en électricité. Le mettre en marche, oui. Le système ne signalise pas, apparemment. Il faut du carburant pour le lancer. Ma cartouche de carburant était vide, faut que je mette du carburant dedans, c'est ça. Excusez-moi, en ce moment je suis un peu lent. Pas tout de suite et des fois ça me saoule. Ça me saoule que je bite pas tout de suite les trucs. Hein, pas, Alors. On va sortir et on va essayer de trouver du carburant. Donc là c'est fermé. Là, on va voir si j'ai du carburant dans le...
bouteille vide. Tiens, je vais prendre un disque mot. Ma gourde. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Examiner. Une gourde. Il reste du kérosène dedans. Ok. C'est vide. Donc faut que je trouve du kérosène, du carburant. Il n'y avait pas un bidon là? Je peux creuser un bidon là, tout à l'heure? Là c'est fermé. C'est où que j'ai creusé un bidon? Bon, on va aller là. Ça fait grave plaisir. Allez, dégage. Il vient me voir. Donc mon chariot est d'ici, on va aller là. Cool, heureusement que j'avais un disque mou sur moi. Et puis là-bas, c'est le dernier, c'est cool. Ah, et puis je suis revenu là, ok. Bon, par contre, ça me dit pas où j'ai vu un jerrycan d'essence. Eh, mais oui! C'était pas là-bas. Ici, il n'y avait pas un truc d'essence sur le côté. Non, pas ici. Je me suis trompé, c'était où? Non, c'est au début. Ok. Donc je vais faire quelque chose. Faire ça. Oui, excusez-moi, mais c'est ma spécialité de faire des allers-retours.
Ah oui, donc on a été ici. J'ai cherché un disque mou, je vais faire le truc du disque mou. Comme ça va me débloquer la porte du fond. Voilà, merci. Ça me fait chier parce que je ne sais plus où j'ai vu le truc descendre. Je ne sais plus si c'est en haut. Ah si, c'est en haut. La porte électronique en fait. Ok. Vous sentez à quel point je suis abruti. C'était de l'autre côté, donc après ce sera pour ouvrir ça. Tac, ça met en route l'ascenseur qui descend. Ok, donc ce sera ça. Je vais aller voir en haut, je vais aller chercher l'essence, je vais redescendre, je vais aller voir le truc. La porte. Oui, de toute façon, je sens qu'on est à la fin, donc ça, je vais essayer de tout faire pour que ce soit cette vidéo là. Sinon, bah, ce sera la prochaine, mais bon, j'aurais voulu. Oui, vous inquiétez pas, j'ai prévu. Ah ouais, ça fera peut-être 10 vidéos. Ça. Ou alors il fait semblant. Ah merde, c'était pas ici. Voilà. Si c'est ça. Comment je fais? Oh là là, c'est pas possible. Ça va, lui, il fait semblant de dormir. Bon, je vais aller voir là-haut et puis.
On va faire les trois en même temps. Jill? Chris! You're alive! Of course I'm alive. Jill, there's something big going down, and I don't think we're part of the equation. I have to get you out of here. Ugh, it won't open! Wait, I'll be back to get you out. Okay. No sightseeing, though. Donc Chris est vivant. Faut que je relis bien ce qu'ils me disent et peut-être que avec ma gourde je vais pouvoir. Thank you.
apparemment ça marche pas. Non, c'était pas ici. Non, c'était pas là. Ah bah voilà. On va éviter de courir hein, vu que ça explose.
Voilà, maintenant on va appuyer sur le bouton. Ouais, bah je pense qu'on va faire la dernière vidéo. Pardon. Ah non, c'était tout bête. Je ne sais pas s'il y avait un coffre à vendre. Ouais, ça a l'air bon. Jill. Barry. You could have at least waited up for me, you know? Let's go. T'as essayé de la tuer, mais c'est pas bien, lui. Il fait genre comme si rien ne s'était passé. Wesker! Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl, but I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry? You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family. You
bastard. Oh! Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. Oh oh. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry! Forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Damn it! Jill and Barry, together. In hell. You want a piece of me? What? Premature. No, Barry! You viral cultured freak. Ah oui, c'est ça. Insulte-le. Mais non, en arrière, Jet. Il m'a mis un coup, ça m'a fait beaucoup. Barry! Barry! You're okay. Jill. Sorry.
was careless of me. Wesker. He's gone. First, let's just get out of here. Mais il est où le PC où Claude était en train d'appuyer dessus? Ah ok. On peut y aller. Ah, c'était là qu'on pouvait tourner. Okay. Wesker must have set it off. Let's hurry. Vite, autodestruction. On va tous mûrir. Ok, il se rebarre tout seul. Le serveur a été verrouillé. Ah non, déverrouillé. Sorry about the wait. So everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. Come on, let's go. Ah, mais ils sont tous en train de se casser en fait. Activated. All personnel must evacuate immediately.
Come on, come on, hurry! Ah merde, je suis ressorti. Comment j'ai fait ça? Ah bah les fusibles sont là. Damn it! We're almost there! Jill, you just hit in contact with Brad! No! We can make it. Jill, ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? All right. We'll rendezvous at the heliport. C'est bon, j'appelle l'hélicoptère puis on s'en va. Bah, bah voilà. Partir en hélico. Vous intéresse manier, bon. Parce que moi, je... C'est quoi ça? Fusée? Eh ben. Ouais. C'est la fête nationale. Jill! You made it! Ok. Oh! Chris s'est fait défoncer. Le cœur, Barry. Oh!
ce qu'elle me fait, elle, mais... Jill, use it! Kill it, whatever it is! Ouais, ça sera peut-être mieux. Bon bah j'espère que Barry n'est pas mort. Vu qu'il l'avait pris dans ses mains. Et ben voilà, la petite Jill a sauvé tout le monde. Jill, you did a fine job. Alors, bah j'ai mis 8h36, créature éliminée 91, munitions utilisées 290, ruban encreur 10, objet de guérison utilisé 17. Jill a obtenu un nouveau costume. Vous avez obtenu la clé du placard. Un nouveau costume est disponible. Vous pouvez vous en changer dans le vestiaire. Voilà. Merci à tous pour avoir regardé ce let's play. Et j'espère que je vous ai diverti comme j'ai pu. J'ai failé, j'ai couru dans tous les sens, mais bon. En même temps, je connaissais pas la maison, puis ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Donc, bah merci à tous, et puis bah j'espère que on se reverra sur un autre let's play. Allez, à ciao les amis.